Raymond. Tranquille. Bonjour, bonjour. Raymond. Bonjour. Bonjour, Raymond. Comment ça va? Ça va, et vous? Ça va bien, merci. Oh, bien, bien, tranquille, Raymond, tranquille. C'est comment mon nom? Pardon, j'ai pas compris. C'est quoi ton petit nom, man? Tony. Oh, Tony. Et toi? Moi, c'est Gizzy, man. Et toi, man, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Kira. Kira? Bonjour, Kira. Moi, c'est Gizzy, tranquille. Rien pas. Enchanté. J'ai un petit cadeau. J'ai un petit cadeau pour vous. Ah? Ah bon? Ouais. Pour vous abriter de la pluie, merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup. Bonjour à vous. Ah bonjour. Enchanté, je suis Serge Lerustre, commandant de police, mais gardien de la paix avant tout. Enchanté. Ah, Tony Black. Malaise. Je lui ai fait peur. Ouais, je vois ça, ouais. Enchanté, Tony Black. Ah, enchanté, monsieur. Vous êtes un habitant du Nord? Oui, tout à fait. Très bien, vous comptez rejoindre le royaume du Nord ou bien fonder une tribu et un village? On aimerait fonder un village, mais en étant en alliance avec le royaume. Très bien, possèdes-tu déjà une tribu du coup? Oui, affirmatif. Très bien, alors je vais fonder une alliance. Bienvenue à vous dans le royaume du Nord. Merci beaucoup. Dites-moi, la capitale, c'est par où à peu près? C'est par là-bas, vous voyez la falaise? Ouais, tout à fait. Et juste en haut. Alors vous pouvez passer ou par la gauche, là où c'est un peu pentu, ou directement par la falaise, il y a deux ascenseurs. D'accord, merci beaucoup. Et pas de soucis, bon courage. Merci. Si vous avez des merci gens, n'hésitez pas à les aiguiller vers là-bas. Pas de problème. Super, et faites attention à lui, il a pas l'air... Il est pas bien. Ouais, en effet. Il se sent pas très bien. Il doit avoir mal au genou. Ouais, je pense, ouais. Allez, la bonne journée, peut-être qu'on se reverra bonne tout journée. À l'heure. À tout à l'heure. Il y a un truc que j'avais pas vu. Putain, man. Oh, j'ai fait un coma, là. Oh là là. Ça va mieux? Ah bah ouais, dis donc. Des fois, je m'endors, je sais pas pourquoi. Tellement fatigué tout le temps, vous imaginez pas. Oh là là. Faut peut-être manger un petit ouais, peu, non? Vu ça. Non, ça va, je me nourris bien et tout. Si j'ai pas à fumer, là, c'est ça mon problème. Oui, parce que c'est vrai que ça a fait peur tout à l'heure. Quand vous êtes tombé, c'est vrai, ça nous a fait peur. Monsieur? M'entendez? Ouais. Ah oui, ah, là, ouais, ah, oui ouais, effectivement. Bon. Ouais. Des fois, ouais, il y a des petits mal de crâne, mais c'est normal, hein, c'est normal. Hein. Là, il y a tout le monde qui arrive en même temps, au même moment. Et c'est vrai que ça fait un peu chantouiller les neurones. Voilà, voilà. Vous avez eu ma petite surprise ou pas, mon petit cadeau? Oui, 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 on a eu le temps de la récupérer. Bon, oui, nickel. C'est très gentil. Bon, du coup... Bonjour. 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 Vous venez d'arriver ici aussi? Oui, tout à fait. Oh là, ouais, ah. Il y a des bégaiements par moment. Ça va pas durer, vous inquiétez pas. Alors, man, quoi de neuf? J'ai pas très très bien compris ce que vous avez dit, monsieur. Excusez-moi. Oh. Quoi de neuf, man? Oh, rien de particulier. Vous m'avez l'air très très étrange, monsieur, en tout cas. Moi, c'est qui est le plus étrange? C'est moi, j'ai l'air étrange, moi. Non, ça va, c'est juste que vous êtes très cool. Je suis tranquille, quoi. Pas de problème. Ah, c'est peut-être ça, effectivement. Effectivement. Ouais, t'inquiète, faut pas être pressé dans la vie. Hein? Tranquille. D'ailleurs, faudra que je m'assoie un coup, là. Ouais, c'est trop fatigué d'être debout, moi, déjà. Non, ouais. C'est quoi ton nom, man? Mon nom, c'est Erwan. Et vous? Erwan, enchanté, moi c'est Gizzy, ouais, Gizzy Lemar. Ouais, Gizzy, enchanté. Ouais, enchanté, man. Ouais, ouais. Je crois que le capitaine, si je me rappelle bien, elle est là-haut, en haut de la montagne. Il y a un ascenseur et tout pour y monter. Ah bien, bonjour.
Ah bonjour, comment allez-vous? Ah, formidablement bien, et vous? Très très bien. Pouvez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît? Bien sûr, je m'appelle Tony, et vous? Ah, enchanté, je suis Brab Patulacci. Enchanté. Enchanté. Faites quoi de beau dans la région? Quel est cet endroit? Je suis un rescapé d'un ancien monde. D'accord. Tout a été détruit, j'ai atterri ici. Avec des camarades, mais je ne sais pas où ils sont. Au-dessus de la montagne, il y a la capitale, il y a le roi, il y a la police. Peut-être qu'ils pourront un peu plus vous renseigner que moi. Absolument. Ah, c'est vraiment gentil de votre part. Je vois que les désastres sont dans tous les mondes. Enchanté. Ben bonjour, Dame Kara. Je suis Monsieur Brab Patulacci. Enchanté, comment allez-vous? Formidablement bien, et vous? Ça va bien, ça va bien. Formidable. Je viens de me réveiller ici, malheureusement, je ne me rappelle pas bien de ce qui se passe. Si vous voulez, je sais qu'à la capitale, il y a une infirmerie, peut-être qu'ils pourront quelque chose aussi pour votre souci de mémoire. Ben, je pense qu'ils pourraient peut-être m'aider, je vais essayer d'enquêter un petit peu, de voir ce qu'il se passe, et peut-être faire un tour à cette capitale, oui. Pas de soucis, si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir nous contacter, enfin à revenir nous voir. Formidable, mais vous restez plutôt dans la capitale, oui. Ouais, on sera vraiment pas loin, là pour le moment on va rester sur la plage, après on va faire un tour à la capitale, mais on sera toujours à proximité. Formidable, c'est une très bonne nouvelle, enfin. Peut-être auriez-vous des habits sur vous? Ah, il fait un petit peu froid par ici. Bah si, regardez, j'ai un pantalon. Ah super, je vous remercie. Malheureusement, je n'ai pas plus sur moi. Ah. Oh, je me retourne. Une personne bien aimable. Bonjour, excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez vu par hasard un homme un peu... pas fou, mais à la limite de cela. Fou, c'est-à-dire, j'ai vu pas mal de personnes, j'ai vu une personne très très cool, si c'est ce que vous voulez dire. Ben non, pas vraiment, une personne qui voudrait taper tout ce qui bouge, je dirais. Ah non, désolé, j'ai pas vu ce genre de personne jusqu'à maintenant. Ah, moi non plus. Ah. Tant pis, merci quand même. De rien, bonne journée, bonne monsieur. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Bonjour. Ah, bonjour. Vous allez bien? Comment ça va? Perdu, voilà. Voilà quand je me sens perdu. Eh tiens, prends ça, hein. Oh, c'est moi pas forcément néfaste. Tenez, parce que ça dépend pour qui. Oh, je préfère quand ça a aéré. Alors, qu'on a sinon? Bon, bah, c'est... Bah écoute, ouais. Je vais t'inviter dans la tribu du village, d'accord? Ça marche. La tribu est déjà en alliance avec le nord, donc on peut directement soit faire un petit tour à la capitale, voir un petit peu ce qui se passe, dans quel état elle est, dans un premier temps, puis après aller se balader pour savoir où on s'installe. On va se diriger vers l'ascenseur, ça sera plus rapide. Bonjour. Ah, vous allez bien? Ça va, merci, et vous? Tout? Oui? Je cherche un feu de camp? Alors, je pense qu'il doit y en avoir un au niveau du village. Donc, on nous a dit d'aller par ici, en fait, pour le village. Sauf que le problème, c'est qu'ils nous ont pas... Ils ont pas descendu l'ascenseur. Donc, en fait, on va devoir faire le tour. Ah, parce que j'ai traqué un animal qui m'a donné ça. Beaucoup de viande, puis beaucoup. Ah oui, c'est intéressant, en effet. Ah, c'est toujours ça de prix. Bah, vous pouvez peut-être essayer de le vendre à la capitale. Ah oui, oui, c'est juste là-haut. Ah, la passerelle est en train de descendre, faut peut-être qu'on y aille. Elle est en train de descendre, ok. Bon, bah, si jamais vous voulez monter sur l'ascenseur, on va monter à la capitale. Ah d'accord, oui. Pas de soucis, merci. Vous approchez pas trop du bord, ce serait bête d'en perdre un. Oui, effectivement. Ah, oui. Ça, c'est haut. Ouais, ça commence à faire haut, là. Oh là là, oui. On va bien rester au milieu, je pense. Ah bah, je pense aussi. Pas d'eau pour... Ça serait pas plus mal. Et attention à la tête. Oh, c'est cosy par ici, dis donc. Trouvé ? Ah, j'aime bien, c'est sympa, calme. C'est chouette. Oui, c'est pas très commun, on va dire. Ah bah là, c'est sûr, il y en a pas 10 comme ça. Par contre, c'est pas qu'est-ce très que... rapide. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'en termes de vitesse, qu'est-ce qu'on entend ? Ouais, c'est... Ah, bonjour. 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 Alors, on va te forcer à le ranger. Grand ce gourdin. N'est pas à jouer.
Voilà, tu restes c'est vrai qu'il y a une très jolie vue la plaque de métal qui monte. Nye. Non, arrête. Calme-toi. Je crois qu'il y a des gens qui attendent l'ascenseur. Ouais. J'ai soif. T'attends la plaque qui monte. Laisse cette plaque qui monte tranquille. T'attends. J'ai soif. Voilà, non, mais non. J'ai soif. Faut descendre. Bonjour. Descends. Non, arrête. Bonjour. Descends. Bonjour. Bonjour. Va bien le. Au revoir. Il y a des gens à faire. Oh, je pense qu'il a dû prendre un coup de chaud. Ouais, c'est pas probable. T'as pas à avoir peur. Non, on dit rien du tout. Tout a été dévasté. C'est vide. Ah, des nouveaux. Bonjour. 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 Salut. Bon, bienvenue au royaume. On a des appels d'offres ici, vous pouvez venir à l'intérieur. Ouais. Bon, ça fait du bien. Là vous avez quelques petites ressources, on recherche un peu de tout, et s'il y a des choses que vous avez qui ne sont pas sur ces panneaux, je suis aussi preneur. D'accord, merci pour l'information. Ouais. Mais chez vous, parce que les prises, ça risque de chuter. Bon, on va y aller, on va bouger un peu. Viens donc, JM. Ça marche. Allez. JM, raconte-moi donc du coup comment t'as fait pour t'en sortir un petit peu, parce qu'avec tout ce chamboulement qu'il y a eu, comment t'as fait ? Bah écoute, c'était très simple. Premièrement, j'étais pas dans la ville. J'étais plus loin en train de chasser justement à ce moment-là. Ah d'accord. Et puis bah il y a un gros bestiau qui m'est tombé dessus. J'ai perdu connaissance et quand je me suis réveillé, bah il était mort ce bestiau. Puis bah moi j'étais là. J'étais comme ça, j'étais en dessous de lui. Il m'a tenu chaud, on va dire, mais c'était bizarre. Par contre, j'ai un petit peu du mal avec mes jambes ces temps-ci, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu doucement. Oh, t'as bien raison, hein. Faut te modérer, hein. Et toi, Tony ? Comment t'as fait pour moi, survivre ? Rien de fou, hein. Je suis paysan, hein. J'étais juste en train de labourer mes champs quand tout s'est écrasé, hein. J'étais pas dans la maison, heureusement. Tiens, Akira, c'est pour toi. Mais là, j'ai pas faim tout de suite, donc c'est bon, je peux garder. Ah, merci beaucoup, ça fait un bien fou. J'en avais marre de manger des baies. Tu m'étonnes. Bah, c'est surtout, je sais pas toi, mais moi, au niveau du transit intestinal, ça y allait comme une fusée, hein. Oh, moi, ça va. J'ai connu pire. Le lait, c'est pire. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai que quand tu l'es passé, pas. C'est vrai que ça va pas. Ouais. Ah, c'est horrible, ça. Bon, bref, on est... C'est pas que ça m'intéresse pas tes problèmes intestinaux, mais... Mange plutôt, on en parle après, non ? Oh, tu sais, moi, ça me dérange pas, hein. Moi, je suis dans une famille de fermiers, donc tu vois, moi, je mangeais mon goûter pendant que les bébés étaient en train de chier, hein. Tu vois, ça me dérange pas. Ah oui, d'accord. Bon, écoute, ça te dérange pas. Du moment que je gâche pas ton pas, moi je m'en fous. Ah bah oui, t'inquiète. Bon, écoutez, les copains, je pense qu'on va pouvoir lever le camp, hein. Ça y est, il commence à faire jour. Ça marche. Je laisse l'eau là, si jamais ça peut sauver quelqu'un. J'ai une gourde, si jamais vous avez soif. Comme ça, on est quitte de s'arrêter. D'accord. Bon, on fait quoi ? On part sur une ligne droite. Et je pars en éclaireur, comme ça, si jamais il y a un problème, j'arrive... En courant, et vous savez qu'il faut se barrer, ou je freine un petit peu à chaque fois ? Freine un petit peu, histoire qu'on soit ensemble, qu'on se perde pas. Ça marche. Je vois rien, je vois juste un rayon magique devant nous, là. Je pense pas qu'il faut qu'on s'enfonce. Venez par ici, trop. Sur la droite, s'il vous plaît. Wow. C'est prudent ? Oh, dis donc. Je ne sais pas. Wow. J'entends des voix. Moi aussi. Bon, en tout cas, on a découvert quelque chose. Je sais où venir pour y retourner. Bon, partons d'ici quand même. Hein. Rond, on n'est pas parti dans le bon sens. Hein. Pourquoi pas faire une structure autour de ça ? Pourquoi pas faire notre village à partir de ça ? Je ne suis pas sûr que ce soit le but. Mais qui sait ce que cette stèle recèle comme pouvoir ? On pourrait faire un village sain autour de ça. Imagine que ça soit lié au tremblement de terre, tu te rends compte ? Justement, imagine si des personnes utilisent ce pouvoir à de mauvaises actions. Ça pourrait être horrible. Oh, je me sens pas bien. Ouh. Tu vas bien ? Moyen, on va dire que je me sens un peu partir là. Je perdais mes esprits. Ça fait qu'on s'en aille. C'est tout.
Bah pour être franc, c'est plutôt l'inverse. Tu veux rester? Ouais, mais après bon, si vous voulez on peut partir, y a pas de problème. C'est vrai qu'en même temps, ça pourrait être une grenade, mais en même temps ça pourrait être un énorme fardeau, donc c'est comme vous voulez. Ah, j'ai aucune idée de ce que ça recèle aussi. Tony, t'as une idée de ce que ça pourrait être? Pas vraiment, j'ai l'impression que c'est... J'ai jamais vu ça. J'ai l'impression que c'est un hôtel dans lequel faut venir prier pour les dieux. Peut-être, t'as raison, peut-être. C'est vrai qu'il m'inspire plus confiance que de peur. Mais je me demande si ça ne dérangera pas la capitale qu'on s'installe ici. Pas faux. On devrait peut-être se mettre un peu plus loin alors. Ouais. Au pire, on laisse cet endroit tel qu'il est là. On n'y touche pas parce que imaginez juste si les dieux seraient offensés par ce qu'on fait. Alors, vaut mieux pas y toucher. Mais on ne sait même pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est, mais vu la puissance que ça dégage, on peut pas essayer. Je sais pas, je me sens un tout petit peu reboosté quand je suis à côté de ce truc. Moi aussi, mais... Moi aussi. C'est vraiment étrange. On prend le pari. On peut faire quelque chose à côté. Alors, selon toi, à quoi ça ressemble? Ça fait un cercle, avec une stèle au milieu qui est surélevée, avec toute une puissance qui sort de ce lieu. C'est vrai que c'est quand même peu commun, mais si tu regardes, ça a de projeter vachement d'énergie, regarde au-dessus. Ouais, je vois ça, c'est hallucinant. Après, c'est vert, ça rappelle quoi? Ça rappelle la nature, donc peut-être les forces de la nature. Les forces de la nature, ça peut être les arbres, les plantes, ça peut être les animaux aussi. Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est une stèle pour invoquer des gros animaux, je sais pas. Je vais pas te mentir, cette technologie me dépasse. On est deux. tu sais, depuis depuis l'effondrement et tout ça, je comprends plus rien, donc... Est-ce que ça arrivait là avant, après, j'en sais rien. Faut essayer. On est obligé. Il y a trop à savoir. Il y a trop d'inconnus, il faut savoir. Ah, je suis d'accord avec toi, moi aussi j'ai envie de me laisser tenter. Mais c'est vrai que ça me fait peur. Là même. Et ces voix que j'entends. Je sais pas si tu les entends aussi quand tu t'en appelles. Tu les entends aussi. Oui, c'est... C'est pas des mauvaises voix en fait, c'est ça le problème. Non, justement, mais c'est ça qui est étrange. Tu vois, c'est comme si quand j'allais là-bas. Tu vois, ça me donnait de la force en même temps qu'on me parlait. Tu sais, comme si t'avais quelque chose à accomplir. Mais bon, faut pas oublier que tu t'es pas senti bien pendant un moment. Faut faire attention, tu sais, j'ai peur aussi que si on y reste trop longtemps, peut y avoir des répercussions. Bah déjà, on va voir ce que Tony va dire. Ah bah là, il est en pleine réflexion, clairement, quand on le voit comme ça, c'est qu'il réfléchit. Hein. Bon les amis. Dis-moi tout. Oui? T'as réfléchi? Quand j'étais avec la stèle, j'ai entendu une voix. Oui? Cette voix m'a dit... que si je voulais m'installer ici, de grandes choses nous arriveraient. Mais que pour ça, certains risques, je devrais prendre. Donc apparemment, de s'installer ici, c'est pas vraiment conseillé. Mais si on réussit à s'installer et qu'on s'en sort, on sera les plus forts et les plus riches de cette île. Ouh là là. Mais ça fait peur quand même d'un côté. On a une réponse. Ça fait peur d'un côté aussi. Je me dis que cette voix, c'est pas pour rien que je l'ai entendue et j'ai vraiment envie de m'installer ici. Allez, écoute, qui ne tente rien n'a rien. De toute façon, j'ai envie de te dire, on a tout perdu depuis l'éboulement. On a tout perdu. Donc, de toute façon, quitte à se reconstruire, autant tenter le tout pour le tout. Ça marche. Allez, Tony, c'est parti. Tu poses le premier feu? Allez, à toi l'honneur. Bien sûr. Il en met du temps pour faire un feu. Bah écoute, moi mes parents ils m'ont toujours appris dans la rapidité, mais là c'est vrai qu'il est vachement lent. Ouais, mais moi aussi je suis chasseur, mais... Je vous rappelle que je suis pas sourd. De quoi? De quoi tu parles? T'entends encore des voix, hein, c'est pas possible. Je pense que Tony tu devrais pas trop aller vers ces stèles. Tu m'as fait peur, t'es fou, tu veux me faire tuer ou quoi? Tiens bah je me suis fait dessus, t'es Comment content? Comment ça t'as eu peur? J'étais concentré dans ma tâche. Comment ça t'as eu peur? J'étais concentré dans ma tâche. Tiens JM, t'es quand même un personnage vachement inquiétant de temps en temps. Ah bon? En quoi? Oh. Non, rien, laisse tomber. D'accord.
C'est juste que maintenant je comprends pourquoi maman elle me disait des fois va pas voir la famille AJM. Oh, ça ils sont pas tout nets. Aïe! Je t'ai touché? Tu viens de me mettre un coup là? T'as un problème avec moi, JM? Oh merde! Oh, désolé! Non, non, j'ai aucun problème avec toi, juste je pense que c'est parce que j'ai un peu trop. Regarde mon doigt! Oh merde, je suis vraiment désolé. Regarde mon. Attends, je regarde-moi ça! Attends, je vais faire un petit. Attends, je vais faire un petit pansement. T'as de la chance que je sois pas comme les taupes, hein. Voilà, je suis vraiment désolé. Ah merci. Vraiment, je fais exprès. Oh là 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 là. Dis donc, on te refait pas toi, hein. A few moments later. Je me suis rendu compte d'un truc. Oui. Ah. En fait, si vous allez là-bas tout droit, on est même pas à 100 mètres de la capitale. Je me demande si ça va peut-être pas déranger qu'on habite là. Ah. Je suis parti voir le roi. Bon, déjà oui. Sur le chemin, j'ai croisé un dinosaure. Je mange quelques baies en attendant, donc vas-y. Je t'écoute. Vas-y. J'ai croisé un dinosaure, donc je l'ai tué. J'ai donné 20 morceaux de viande au roi, du coup on a 100 pièces d'or. Oh super! C'est pas beaucoup, mais ça permet quand même de faire quelque chose. Et ensuite il m'a expliqué qu'il fera à peu près 10 fois le château actuel. Donc du coup on est en dehors de la limite de la capitale. Et je lui ai demandé justement si on pouvait construire un petit village. Je vais pas expliquer totalement pourquoi, etc. Et il m'a dit qu'il n'y avait aucune raison qu'on ne fasse pas ça, évidemment, sous peine de payer des taxes plus tard. Ce qui me semble logique. Et du coup, le roi est gentil? Oui. Dis-moi tout. Ah, le roi est très gentil. Hein. Tu lui donnes de la viande. Ni une ni deux, il va directement mettre ça dans le coffre. Il te ramène de l'argent directement. Il se prend lui-même pas la tête. Il est là pour vraiment aider les gens. Il est très gentil. Hein. Il est vraiment très très gentil. J'espère qu'il va pas retourner sa veste au bout d'un moment, tu sais. Oh, je pense pas, un roi qui est aimé du peuple, il y a aucune raison de le défaire. Un roi détesté du peuple, par contre, c'est pas la même chose. Bon, moi j'aime, je monte à l'étage, je vais aller un peu me reposer. Ça marche, pas de problème. Et je vais peut-être après revenir. Oui. D'accord, bah écoute, repose-toi autant de temps qu'il faut. Hein. Ouais, c'est gentil, et toi, bonne exploration et autres. Oh, je vais essayer. Hein. Merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.